La France a subi une nouvelle nuit d'émeutes et de violences suite à la mort de Nahel à Nanterre. Le domicile de Vincent Jeanbrun, maire de l'Île-et-Roses, a été pris pour cible par une voiture bélier alors que sa femme et leurs deux jeunes enfants s'y trouvaient mais pas lui. Ce dernier a réagi sur Twitter. La tension ne redescend pas 5 jours après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre durant un contrôle routier après un refus d'obtempérer. Alors que le jeune homme a été inhumé samedi 1er juillet au cimetière du Mont-Valérien à Nanterre en présence de plusieurs milliers de personnes, la France a vécu une nouvelle nuit d'émeutes et de violences. Comme les jours précédents, certains maires ont été pris pour cible. Vincent Jeanbrun, maire Les Républicains de la Île-et-Roses, Val-de-Marne, a été visé et son domicile attaqué alors qu'il ne s'y trouvait pas. Son domicile a été attaqué à la voiture bélier dans la nuit de samedi à dimanche, et son épouse et un de ses deux jeunes enfants ont été blessés, a annoncé l'élu. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat, a indiqué à l'ARP le parquet de Créteil, confirmant une information de BFM TV. La police judiciaire est saisie. Le maire de ce chef-lieu d'arrondissement a dénoncé dans un communiqué publié sur Twitter une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable. Vers 1h30, alors qu'il se trouvait à l'hôtel de ville comme depuis 3 nuits pour faire face aux violences urbaines, des émeutiers ont lancé une voiture bélier sur son domicile avant d'y mettre le feu pour incendier sa maison, a-t-il indiqué dans un communiqué publié sur Twitter. Sa femme et ses deux jeunes enfants y dormaient, a-t-il précisé. Si est-il en tentant de protéger la famille et d'échapper aux assaillants que l'épouse et l'un des enfants ont été blessés, selon le maire. La femme a été blessée au genou et est actuellement hospitalisée, un des enfants a été légèrement blessé, a précisé à l'AFP l'entourage du maire. Les deux enfants sont très choqués, a-t-on ajouté. Tout cela était savamment orchestré, sans considération pour les vies à l'intérieur de la maison, selon l'entourage du maire. D'après la même source, les auteurs ont mis le feu à la voiture bélier mais aussi à celle de la famille, avant d'être mis en fuite par la police et les pompiers, intervenus très rapidement. Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie, estime Vincent Jeanbrun dans son communiqué. Si ma priorité est aujourd'hui de prendre soin de ma famille, ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais, a poursuivi le maire de cette ville de plus de 30 000 habitants. La veille, Kylian Mbappé et l'ensemble de l'équipe de France de football avaient appelé à l'apaisement dans un long message publié sur les réseaux sociaux. Un message qui n'a pas du tout été entendu malheureusement.